Bonjour, Bonjour. Marlon. Est-ce que le métier de, de présentateur du JT est le même que celui du journaliste Ah, très bonne question. Ouais, parce que c'est métier de journaliste. Euh, oui, oui, c'est du journaliste, bien sûr. C'est voilà, le, le visage de toute une rédaction. Il y a, tu sais, il y, a, il y a 200 personnes qui travaillent chaque jour à la fabrication du JT euh, à France 2. Et donc le, le, le présentateur, c'est un peu le maître d'orchestre. C'est celui qui va lire la, parti, la, partici, la partition de musique. Je dis souvent que voilà présenter un JT, c'est une alchimie. Il en faut un peu pour tous les goûts. Il y a l'actualité chaude du début, il y a l'actualité euh, un peu plus légère de la fin de journal avec des, des ruptures de rythme. Donc euh, oui, oui, c'est du journalisme. C'est le, 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 le maître d'orchestre, c'est le chef d'orchestre de la rédaction de France 2. Voilà, voilà. tu te rends compte, 200 personnes qui travaillent pour faire un journal télévisé. C'est beaucoup, hein Tu savais pas, non. tu savais pas tout ça. Hein ouais. euh, quel quel élève étiez-vous, Julien Bugier Parce que voilà, ils ont 10 ans, vous étiez assidu, vous, vous saviez ce que vous vouliez faire déjà euh, je, je dois répondre. Oui. Ouais. <laughs> Donc, mauvais élève Alors, j'étais un, un bon élève petit, j'étais moins bon quand j'étais au collège et lycée, voilà. Mmh. et, et j'avais très envie d'être journaliste, mais j'en avais pas pris le chemin. Mmh. Et j'ai réussi à devenir journaliste sans faire d'études. Et, oui. Et, Et sans faire d'école de journaliste. Et sans faire d'école de journaliste. Non, mais vous ne le souhaitez pas peut-être, mais c'est-à-dire que c'est encore possible. Hein c'est assez rare.